Cette année, la volonté des organisateurs du Tour de France était que le meilleur sprinter du peloton ramène le maillot vert sur les Champs-Élysées. C'est chose faite. Sur la plus haute marche du podium, c'est bien l'extraterrestre Mark Cavendish qui savoure sa victoire après un formidable combat, envers et contre tous. Le premier à revêtir la tunique n'est pourtant pas un sprinter. Subtilité du règlement, le Belge Philippe Gilbert aurait dû endosser le maillot vert dès le premier jour de course. Mais le numéro 1 mondial n'a pas assez d'épaules pour enfiler les trois maillots de leader. Gilbert en jaune, c'est donc l'Australien Cadel Evans qui assure l'intérim, le temps d'un contre-la-montre. Gilbert retrouve son bien sur la troisième étape, mais les sprinteurs n'ont pas l'intention de laisser ça là. Le parcours 2011 ne va pas leur laisser beaucoup l'occasion de faire parler leur pointe de vitesse. Du coup, la bagarre au sprint intermédiaire fait rage. À l'arrivée, également, l'Espagnol José Joaquim Rojas prend alors le maillot vert. À toi, à moi, Gilbert et Rojas ont se partagé le leadership du classement par points pendant les 10 premiers jours. Rojas en étant souvent placé dans les sprints, Gilbert en terminant les étapes en costaud. Mais peu à peu, Mark Cavendish va sortir du bois et refaire son retard. Victoire au Cap-Fréhel lors de la 5e étape, puis sur la 7e à Châteauroux. Même les étapes accidentées ne vont pas résister à la puissante équipe HTC Highroad qui semble avoir trouvé son rythme. La 11e étape est presque une formalité pour Mark Cavendish qui s'impose à Lavore et qui s'empare du maillot vert à cette occasion. Ses adversaires n'en verront plus la couleur. De plus, le Britannique ne va pas s'arrêter là. Il signe un quatrième succès à Montpellier lors de la 15e étape, preuve qu'il n'a pas trop mal passé les Pyrénées. Mais les Alpes se profilent à l'horizon, et là, c'est une autre histoire. Mark Cavendish arrive hors délai sur la 18e étape. Il sera repêché comme 88 de ses collègues, mais son capital point sera amputé de 20 points. Le CAV a eu chaud, son maillot vert ne tient plus que sur les 15 points qu'il a d'avance sur Horace avant les Champs-Élysées. La dernière étape ne changera rien, Cavendish s'impose une fois de plus à Paris. Ce n'est pas un géant, mais il est bien en vert sur la plus belle avenue du monde. Avec 5 victoires sur ce tour 2011 et 20 victoires en tout, c'est logiquement que le meilleur sprinter du peloton remporte pour la première fois de sa carrière le classement par points du Tour de France.